Mesdames et messieurs, bonsoir. La relance économique engagée par Patrice Talon a misé depuis 4 ans sur le secteur privé, le développement des petites et moyennes entreprises en l'occurrence. Tout un département ministériel a été dédié à cette stratégie économique. Quel résultat après 4 ans de mise en œuvre? L'État a-t-il pu assurer un cadre favorable à la montée en puissance des PME et à la promotion d'emplois? Notre entretien avec le ministre Modeste Kérékou n'occultera pas le secteur de l'artisanat au cœur de l'environnement PME. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. 52 minutes d'entretien, le binôme que je forme avec mon confrère Théodule Moussa. Bonsoir, Théodule. Oui, bonsoir, William Jeki. Bonsoir à toutes et à tous, monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, vous avez en charge trois secteurs. D'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous expliquer la vision? Qu'est-ce que le chef de l'État vise en créant d'abord ce ministère dont vous avez la charge? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Je voudrais d'abord d'entrer dire que c'est toujours un plaisir et un devoir renouvelé de nous retrouver sur vos plateaux et de pouvoir, donc, par cette occasion, nous adresser à nos concitoyens. Monsieur Moussa, pour faire simple, je vais vous dire que à l'avènement du président Patrice Talon, le 6 avril 2016. Et si vous voulez une autre date, plus précisément le 16 décembre 2016, au lancement du programme d'action du gouvernement, le président de la République a dit clairement que le programme que son gouvernement allait conduire est basé sur la rupture dans tous les secteurs économiques, dans tous les secteurs de la vie socio-économique et politique. Le secteur de la vie entrepreneuriale, le secteur de l'activité économique est le fondamental, de mon point de vue. Vous voyez même qu'au lancement du programme d'action du gouvernement, un programme qui se caractérise par des investissements massifs dans tous les domaines, chiffré à prix de 9 000 milliards, vous avez vu que dans la répartition, la partie qui est attendue du privé, du secteur privé, est à plus de 60%. Quand la vision est lancée et elle est claire comme ça, naturellement, il faut mener des politiques qui conduisent ce secteur privé-là à être suffisamment à l'aise pour jouer sa partition. Le ministère dont j'ai la charge, celui de petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, a été créé par le chef de l'État à la faveur du remaniement du 27 octobre 2017. Et en me confiant donc les rênes de cet important département ministériel, moi-même, quelque peu, j'étais un peu dubitatif. Mais le président de la République a levé toute l'inquiétude qu'il y avait à mon niveau à l'occasion de son adresse sur l'état de la nation fin décembre 2017, où il a dit ce que vous venez de dire. Il a dit exactement ceci, et je cite, en espérant ne pas me tromper, « La relance de l'activité économique engagée par mon gouvernement, mise sur la promotion des petites et moyennes entreprises et l'emploi, dont j'ai désormais confié à plein temps la charge à un département ministériel. » Moi, j'ai dit, bingo, j'ai ma feuille de route. Très bien, déjà. J'ai ma feuille de route, j'ai mon brevet, c'est très clair à présent à mon esprit. Donc voilà, et je dis, c'est en cohérence avec la stratégie et la vision du gouvernement. Depuis la conférence nationale, notre pays, le Bénin, a fait l'option du libéralisme économique. Mais l'État continue toujours de se considérer un peu comme un État providence. Il doit donner de l'emploi, il doit tout faire. C'est plus possible dans les temps modernes. Face aux défis, face aux enjeux de tous ordres, c'est ce que le président Patrice Talon, de par son parcours et son expérience aussi, a compris. C'est dit que l'État a un rôle catalyseur. L'État crée les conditions favorables au développement du secteur privé. C'est le secteur privé qui est créateur de richesses et qui est créateur d'emplois. Justement, ce portefeuille que vous avez, qu'on vous a confié, qu'est-ce que vous avez pu faire avec concrètement? Mais nous sommes, disons, dans la coordination de toutes les initiatives gouvernementales tendant à offrir de meilleures conditions
à nos compatriotes, à nous tous, aux investisseurs. Vous savez, quand notre département a la charge de la promotion de l'emploi, c'est dit à dessein par le président de la République. C'est pour ça qu'au-delà du département dont nous avons la charge, tous les autres départements, j'allais dire, concourent au même fait. L'action gouvernementale est orientée et a une seule finalité. C'est assainir le climat des affaires, permettre au secteur privé d'être à l'aise et de jouer fondamentalement son rôle. C'est pour ça que toute une batterie de mesures, qu'elles soient législatives, réglementaires ou administratives, sont prises, que ce soit au niveau du ministère des Finances et l'ensemble de ses régies, de l'APIEX, de nos agences comme l'agence des PME, comme la NPE. Tout ce que le gouvernement fait dans toutes ses missions concourt à soulager la peine aux créateurs de richesses et aux chercheurs d'emploi. La question de l'emploi est traitée, si je peux le redire comme ça, j'allais dire de manière holistique. Ce n'est pas la prérogative du département dont j'ai la charge seulement, mais l'ensemble des actions du gouvernement concourt à cette fin. Alors, est-ce que on peut avoir une idée de l'état des lieux quand vous êtes arrivé? Quelle était la situation au niveau de ce ministère? La situation en avril 2016, quand le président de la République prenait les rênes du pays, c'est qu'il y avait pas mal d'initiatives. Les autres gouvernements, la question de l'emploi dans tous les pays est une question préoccupante. La question de l'éclosion des initiatives privées est une question assez importante dont tout le monde essaye de prendre en charge d'une manière ou d'une autre. Mais vous pouvez donner acte à notre gouvernement que cette fois-ci, c'est fait avec un peu plus de cohérence et de méthode. Je le dis pourquoi? Je l'ai dit, depuis 1990, nous avons opté pour le libéralisme économique. Mais entre une profession de foi, entre une déclaration d'intention et des actions qui se mènent au quotidien, il y a un gap parfois. Parfois, nous savons bien dire les choses sur papier, mais les actions concrètes, pertinentes, ne suivent pas. Mais vous avez remarqué, c'est clair que le rôle prépondérant du secteur privé qui est reconnu, tout un ensemble de mesures sont prises, j'allais dire, quotidiennement, pour permettre à ce secteur privé d'être au rendez-vous et de jouer sa partition. Je veux parler des lois qui ont été votées sur l'embauche. Je veux parler des réformes qui ont été faites dans le domaine foncier, et justement, dans le domaine fiscal, dans le domaine de la création de l'emploi, dans le domaine de la simplification des impôts et aux taxes à payer, dans le domaine du partenariat public-privé. Tout est fait au quotidien pour faciliter la vie aux entrepreneurs, pour qu'ils soient à l'aise à jouer leur rôle. Et quand je dis aux entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils soient nationaux ou internationaux, tout est fait pour accroître l'attractivité de notre pays. Et vous avez vu les gains de points que nous avons fait dans Doing Business. Avant, notre pays n'avait pas ce positionnement. Vous avez vu les différentes notations que des agences qui ont référence en la matière, apprécie des mesures, des politiques publiques qui sont conduites sous le leadership du président Patrice Talon. Tout ça qui concourt à l'attractivité dans notre pays, parce que s'il y a quelque chose à ne pas perdre de vue, c'est que nous sommes dans un environnement concurrentiel avec les autres pays de la sous-région. Un investisseur, même un Béninois peut aller investir dans un autre pays s'il trouve que les conditions lui sont meilleures là-bas. Quelqu'un ne viendra pas investir dans notre pays juste parce qu'on s'appelle le Bénin. Non, pas du tout. Mais parlant de cette attractivité, est-ce que vous pouvez nous parler bien sûr de ces réformes structurelles qui ont permis au PMU de créer de la richesse? Aujourd'hui, la loi qui a été prise depuis 2017-2018 sur la procédure d'embauche et de résiliation, c'est des choses qui n'ont l'air de rien du tout, mais un investisseur sérieux, quand il décide d'aller dans un pays, ce que nous appelons l'investissement direct étranger, c'est des choses qu'il regarde à la loupe. Il regarde toutes les conditions qui sont disponibles dans le pays, qui peuvent l'attirer. La mise en service du tribunal de commerce, son opérationnalisation, c'est des mesures importantes. La disponibilité de l'énergie en quantité et en qualité. Je ne veux pas vous rappeler quelques périodes difficiles que nous avons connues par le passé et qui ne pouvaient pas concourir à l'installation d'entrepreneurs, d'entreprises d'une certaine facture. Aujourd'hui, grâce aux efforts de l'APIEX,
Vous savez qu'il est facile de créer son entreprise, même en moins d'une heure ou deux heures de temps. Tout a été dématérialisé, même de chez soi. Les efforts, c'est vrai, c'est un processus. Et je pense que nous sommes sur la bonne trajectoire. Les structures autorisées le disent. L'ensemble de ces mesures donne une visibilité, donne une clarté à ceux qui sont intéressés et qui veulent vraiment investir, développer leurs affaires. Je ne vous parle pas des questions sécuritaires. Voilà, la sécurité est quelque chose dont on ne se rend compte quand elle est menacée. Justement, ouais. Quand tout est normal, on trouve que cela va de soi. Mais c'est une stratégie. La sécurité, la sérénité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est toujours dans la stratégie du gouvernement, du chef de l'État, d'offrir les conditions favorables à notre pays. Alors, monsieur le ministre, vous avez quand même mis un point d'honneur sur une préoccupation, c'est bien sûr par rapport à la sécurité de l'emploi. On a parfois comme impression que le code de l'emploi est bénéfique à la promotion qu'à la sécurité de l'emploi. Est-ce que vous aussi, vous avez cette lecture de la chose? Non, pas du tout. Ah oui. Et je vais vous dire pourquoi. C'est une vue de l'esprit. Ah oui. C'est une vue de l'esprit à la prise de cette loi. Nous avons eu assez de retours de ce genre. Et quand, à chaque fois, j'ai l'occasion et que je fais asseoir mon interlocuteur, je lui permets de développer, je dis bien, je vais vous reprendre. Vous savez, la première ressource d'une entreprise, d'un pays, de toute organisation, c'est l'homme. Dire que parce que le code a dit que pour se séparer d'un collaborateur, on pourrait le faire et n'avoir à lui payer qu'à peu près 9 mois de salaire, que ça pourrait induire une certaine insécurité dans le travail, c'est la première réflexion qui, je m'excuse de le dire comme ça, n'a pas poussé très loin. Vous savez, aucun entrepreneur, aucun chef d'entreprise ne veut se séparer d'une ressource de qualité. Absolument. La ressource se forme, la ressource a un coût. Quand un jeune homme, quand une jeune femme a travaillé dans votre entreprise, moi je suis du secteur privé, peut-être que c'est dans l'administration que quand on vient, on sait que j'ai 30 ans à faire. Dans le secteur privé, on est challengé, il faut montrer sa qualité. Et les jeunes Béninois, nous aussi, nous devons comprendre qu'on ne rentre pas dans une entreprise, même dans l'administration, pour forcément faire 30 ans et aller à la retraite. On peut, dans sa vie professionnel, on peut passer de plusieurs entreprises, des plus petites aux plus grandes, des plus performantes, en conséquence en améliorant son revenu. Si vous êtes performant, si vous-même vous savez qu'il y a cette possibilité qui est donnée à votre employeur et que vous êtes performant, vous faites la preuve de votre compétence, jamais il ne se séparera de vous, sauf cas de force majeure, bien sûr. Même s'il n'y avait pas cette loi, même quand il n'y avait pas cette loi, quand une entreprise ne gagne plus d'argent, ne prospère plus, ses activités ne se développent pas. Elle n'attendait pas cette loi avant de licencier. Dit que cette loi introduit une quelconque forme d'insécurité du travail, je dis non, au contraire. C'est elle qui a permis que des grands groupes que nous n'avons jamais vus dans le pays commencent par s'installer et commencent par recruter des jeunes. Parce qu'ils savent que en cas de tension sur le marché, la loi sécurise leur investissement et la loi leur permet de se séparer ponctuellement de quelques collaborateurs. Ben vous avez dit ponctuellement, parfois c'est ça dure dans le temps. Mais s'il y a reprise de l'activité économique, vous savez, l'emploi ne se décrète pas. L'emploi n'est pas une variable immuable. L'emploi est la résultante d'un certain nombre de variables sur le marché du travail. Mais 9 mois, c'est pas trop peu pour quelqu'un qu'on demande d'attendre d'abord? Non, mais c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient performants. C'est pour ça que les travailleurs des entreprises doivent se considérer comme s'il s'agit de leur affaire eux-mêmes. Okay. Comme si leur avenir, leur vie aussi en dépend. Quand vous avez dans votre entreprise des gens qui se considèrent, excusez-moi, comme s'ils n'en ont rien à foutre, et bien, ils ne savent pas d'où vous avez réuni votre capital. Et parfois, certaines entreprises ont eu des difficultés à cause de la négligence et de la légèreté des collaborateurs. Ça aussi, il faut le dire. Les entrepreneurs, ceux qui prennent des risques, ont quand même besoin aussi d'être sécurisés. Mais c'est parce que parfois, les entrepreneurs, à défaut du promoteur lui-même, mais les collaborateurs, ceux qui l'associent à diriger son entreprise, ne font pas preuve du professionnalisme, de la rigueur, de la méthode qu'il faut. Ceux qui gèrent avec parcimonie, ceux qui gèrent avec méthode, ceux qui gèrent avec perspicacité, avec efficacité,
forcément, leur entreprise prospère. Très bien. Et à titre individuel, tout collaborateur qui montre sa loyauté, sa compétence, sa disponibilité au service de l'entreprise, l'organisation qui l'emploie, je peux vous dire qu'il a 0% de chance de se faire licencier. C'est évident. Mais ceux qui traînent les pas, qui paraissent, qui sont dans le secteur privé, qui sont en entreprise comme dans une administration publique. Monsieur le ministre, vous savez que parfois il y a des patrons sur un coup d'humeur, ils peuvent renvoyer le personnel parce qu'il ne le sent plus, il ne l'aime pas. Ça peut arriver. Ce n'est pas un patron. Même si c'est une ressource humaine de qualité, ce faisant lui-même met en péril son entreprise. Une entreprise, ce n'est pas le nom. Ce n'est pas le logo. Une entreprise ne fleurit pas, ne prospère pas juste parce qu'elle va prospérer. Elle prospère à cause du dynamisme des employés, à cause du talent, à cause de la compétence des employés. Aucun entrepreneur, aucun chef d'entreprise ne peut se séparer d'un collaborateur sur c'est des vues de l'esprit, je ne le crois pas. Monsieur le ministre, le temps des boissons, nous y sommes déjà, puisque pour parler un peu des entreprises, en tout cas de ceux des actions que vous avez entreprises au niveau des petites et moyennes entreprises, nous avons, par exemple, vous avez réalisé 126 unités de transformation des matières premières. Nous avons également constaté qu'il y a, la mise en place d'un projet de promotion de ces petites et moyennes entreprises que vous avez engagé. Parlez-nous-en. Comment ça s'est passé? Où en sommes-nous? Merci beaucoup. Là, vous faites allusion à deux importants programmes que notre département ministériel met en œuvre. Le premier, avec l'accompagnement de l'USADF, c'est la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, qui nous accompagne. Parce que vous savez, quand on parle de l'emploi, l'emploi n'est pas que urbain. Il y a aussi l'emploi rural. Absolument. Il y a l'emploi des femmes. Nous, nous sommes à Cotonou. Mais est-ce que nous nous demandons ce que les jeunes hommes, jeunes femmes font tous les jours quand ils sont levés à Wenri, à Zapota, derrière Tukuntuna, etc., derrière Ketou, derrière Savé? Le gouvernement du président Patrice Talon a souhaité que nous puissions, en général là-bas, puisqu'il s'agit souvent des groupements coopératives, que nous puissions les accompagner aussi, souvent dans la formation, souvent dans des appuis en équipement pour leur permettre d'augmenter leur capacité de production, pour leur permettre de mieux vendre, d'accroître leurs revenus et donc de contribuer à un meilleur niveau de vie à leur niveau. Avec l'USADF, ce que nous faisons dans à peu près une cinquantaine de communes, et bientôt nous allons l'élargir à d'autres communes et in fine couvrir les 77 communes de notre pays, c'est d'accompagner ces groupements coopératifs et de les transformer en entreprises, de les formaliser. Elles opèrent souvent dans les chaînes de valeur d'un certain nombre de spéculations comme le maïs, le manioc, le fonio, l'ananas, etc. Donc ces groupements qui sont souvent composés de près d'une centaine de femmes et de jeunes sont appuyés, des formateurs sont mis à leur disposition, des infrastructures sont construites avec leur collaboration pour elles, pour le stockage pour la vente, des instruments de pesée sont mis à leur disposition. Toutes choses qu'ils organisent dans leur localité. La dernière fois, nous étions à Kumasi pour remettre un important lot d'équipement et de matériel avec le coordonnateur de l'USADF ici au Bénin pour plus d'une centaine de millions. Alors justement, dans quelques jours, je dois être normalement à j'allais dire, Diakotomé, pour le même exercice. Et c'est des choses qui permettent de mettre les jeunes et les femmes dans nos communes, un peu éloignées du centre de notre pays, de la capitale de notre pays, Cotonou et les grandes villes, Porto Novo, etc. Mais où nos compatriotes ont besoin aussi de l'emploi, ont besoin d'être occupés, ont besoin de gagner leur vie. Alors justement, parlant de cette action que vous avez menée à Kumasi, on était avec vous, du moins une équipe de reportage était avec vous, on a vu cette action où vous avez fait des dons à des coopératives. Si tout va bien, on va à la régie, on reçoit cet élément. Six bâtiments flambants neufs répondant aux normes modernes de transformation agroalimentaire et des équipements pour accélérer la transformation du manioc et gagner du temps.
Ce sont les dons dont bénéficie l'Union communale des coopératives villageoises de transformation du manioc Sonayon Yagboko de Kpomasé. Ces équipements et infrastructures sont le fruit de la coopération bénino-américaine dont les bras opérationnels sont ici la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, USADF, et le ministère béninois des petites et moyennes entreprises. Ces infrastructures et équipements engendrant accroché une nouvelle dynamique au niveau de l'économie locale de la commune de Kpomasé et contribuera sans doute à la sécurité alimentaire et à la création réelle de nouvelles entreprises qui doivent contribuer à la création de richesses. Pour les femmes des coopératives de transformation de manioc et la mairie de Kpomasé, c'est un véritable coup de pouce. Nous témoignons vivement ici notre gratitude au gouvernement béninois et à son excellence Monsieur le Président Patrice Talon pour ce partenariat fructueux car la production qui sera issue de nos entreprises permettra à des milliers de personnes de développer leurs affaires à travers ce pays et donc de créer aussi de la richesse à chaque niveau de la chaîne de valeur Gari et Agbeli. Je n'ai aucun doute que cela apportera une plus-value substantielle à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos braves femmes. Désormais mieux outillées et bien installées, ces femmes sont plus que jamais motivées. Cet appui considérable va à coup sûr contribuer au renforcement de la filière manioc et à l'amélioration des revenus des bénéficiaires. Alors, vous avez suivi avec nous cette action où vous amenez à Kpomasé, où des femmes réunies en coopérative ont bénéficié de beaucoup de soutien. C'est quand même beaucoup de choses pour ces femmes. Certainement qu'on aura d'autres actions pour d'autres communes, Monsieur le ministre. Bien sûr, c'est ce type d'action qui est dans notre partenariat avec l'USADF, comme je le disais tantôt, sont des actions qui apportent un soutien décisif aux groupements et aux coopératives de femmes qui en bénéficient dans plus d'une cinquantaine de nos communes. J'ai souhaité aller à Kpomasé moi-même parce qu'il y a d'autres remises de ce type qui se font où je ne me déplace pas forcément, mais j'ai souhaité aller moi-même à Kpomasé pour saluer le leadership de ces femmes qui font dans la transformation. Parce qu'il y a une particularité là. Voilà, qui font dans la transformation de manioc en gari, en tapioca, en autre chose et qui les conditionnent vraiment très bien, qui font du gari amélioré avec du lait, du tapioca ou quand vous délayez, vous savez, nous m'ont bien délayé avec un peu de l'eau. Je peux dire que vous n'avez plus besoin de grand-chose. Je vous invite vraiment à découvrir le tapioca, le gari, des femmes de l'association Yagboko de Kpomasé. C'est un produit très bien, bien conditionné et bien, bien produit. C'est important que le gouvernement puisse donner son appui, son soutien à ces groupements de femmes sur l'ensemble du territoire national, toutes choses qui contribuent à mettre les femmes et les jeunes. Ce faisant, c'est des milliers d'emplois aussi qui sont créés. Parce qu'il y a l'emploi, il n'y a pas que l'emploi dans l'administration, mais dans les grandes compagnies à Cotonou. Il y a l'emploi aussi en milieu rural. Et c'est une instruction qui a été fortement donnée par le chef de l'État que nous puissions accompagner ces groupements. Et c'est une ONG et la Fondation américaine qui gèrent de manière indépendante, totalement dépolitisé. Nous lançons des appels à projets, les groupements, les gens se manifestent. C'est la Fondation américaine elle-même qui sélectionne et qui finance. Les fonds sont totalement gérés par la partie américaine qui donne 500 millions de francs CFA. Le gouvernement du Bénin aussi donne 500 millions de francs CFA. Donc nous avons un budget d'un milliard l'an pour exclusivement assurer le financement des groupements coopératifs et promouvoir l'emploi des femmes et des jeunes en zone rurale. Est-ce que ce montant n'est pas trop petit, Monsieur le ministre? C'est déjà un début. Avant que nous arrivions, c'était à 250 millions. Okay. Le gouvernement a décidé de le porter à 500 millions pour la période qui a commencé, disons, en 2017 jusqu'en 2023, sur 5 ans. Au terme de cette nouvelle période de 5 ans, le partenariat sera réexaminé et en son temps, le gouvernement pourra aviser. Mais c'est avec cette cagnotte, je peux vous dire que
le travail qui se fait est excellent. Okay. Dans la promotion des petites et moyennes entreprises, monsieur le ministre, quelles sont les perspectives, c'est-à-dire la projection de quoi devons-nous attendre d'ici quelques mois, quelques années? 2021. Ouais. Je vous ai dit tantôt qu'en optant pour le libéralisme économique, notre pays, depuis 1990, a fait le choix que c'est le secteur privé, créateur de richesses et d'emplois, qui doit être à l'avant-garde de la croissance économique. Donc, par rapport à cette vision, le gouvernement, depuis 4 ans, s'emploie vraiment à jouer, j'allais dire, sa partition. Nous sortons totalement de la mentalité, de l'état d'esprit d'un état providence où c'est le gouvernement qui doit tout faire pour donner la place au privé. Le gouvernement joue son rôle de catalyseur. Le gouvernement assainit le milieu des affaires. Il rend le secteur attractif pour permettre l'éclosion des initiatives privées. Pour 2021, c'est les réformes qui vont se poursuivre. Là, nous venons, l'Assemblée nationale vient de voter le 29 janvier 2020 une loi à l'initiative du gouvernement pour la promotion et le développement des petites et moyennes entreprises. Cette loi est presque comme une révolution, peut-être que vous me taxerez d'aller un peu fort, je dirais donc une mini-révolution, parce qu'elle introduit pour la première fois des aspects très forts. Elle marque la ferme volonté du gouvernement à accompagner les petites et moyennes entreprises. Vous savez, au Bénin, les petites et moyennes entreprises, au terme de cette loi, la loi 2003, votée le 29 janvier 2020 à l'Assemblée nationale, dit que les petites et moyennes entreprises au Bénin, c'est des entreprises qui ont ou qui font jusqu'à moins de 2 milliards, inférieur ou égal à 2 milliards de chiffre d'affaires hors taxes par an. Et la clarification, pour une fois, a été faite de manière très nette, de telle manière que aujourd'hui, que ce soit pour l'administration fiscale, que ce soit pour les agences qui ont la vocation à soutenir les PME, nous savons ce que c'est qu'une micro-entreprise aujourd'hui, une petite entreprise, une moyenne entreprise. Avant, il y avait quelques difficultés de clarification. Ce qui est micro chez nous, ce qui est petit ne l'est pas ailleurs, etc. Et les administrations un peu se mélangeaient. Mais avec la prise de cette loi, le paysage a été clarifié. Une disposition de cette loi qui, de mon point de vue, est très, très caractéristique parce que vous savez, dans nos pays en Afrique, l'État est le principal pourvoyeur d'affaires. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME sont dans le secteur de ce que nous appelons les marchés publics. Et beaucoup de petites et moyennes entreprises ont parfois des difficultés, d'autres viennent même à mourir parce qu'elles ont des retards d'impayés sur des prestations pourtant faites, sur des mois, voire parfois des années. Mais l'article 14 de cette nouvelle loi fait obligation à l'administration publique d'avoir à payer toute entreprise qui a presté pour elle et qui a, dans les règles de l'art, et qui a livré, qui a réalisé la prestation, au moins maximum dans 60 jours calendaires à la date de l'ordonnancement. Si il faut avoir une entreprise, il faut avoir connu certaines difficultés pour comprendre cette avancée prodigieuse. Parce que quand par le passé, vous pouvez attendre des mois, voire des années. Des gens sont en instance d'être payés peut-être pour des prestations faites en 2019. Mais vos charges, vos obligations, elles ne vous attendent pas. L'État a également prévu des mécanismes d'accompagnement des micro, petites et moyennes entreprises. Le vrai besoin des petites et moyennes entreprises, de mon point de vue et à la lumière de notre petite expérience, c'est la formation. Mais on met d'abord les moyens devant. Nous sommes en train d'inverser la pyramide. Les moyens viendront en dernier. Il faut d'abord être sûr qu'on a formé, on a accompagné les dirigeants, parfois à avoir même une comptabilité, à connaître les mesures législatives, les mesures fiscales, les avantages qui peuvent être saisis par ces entreprises. Parfois, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, eux-mêmes, à plus forte raison, leurs collaborateurs n'ont pas l'information. Okay, ils n'ont pas les bonnes informations. Ils ne savent même pas où trouver l'information.
même si par ailleurs l'information est quérable. Vous voyez maintenant que toutes les agences de l'État, pour ne pas les citer, la NPME, la PIEX, SMCity, etc., sont dans la sensibilisation au quotidien, sont dans des modules de formation. À côté de ça, nous avons des mécanismes pertinents maintenant qui accompagnent les entreprises au financement bancaire. L'État ne finance pas, l'État ne donne pas les ressources, comme on le voyait par le passé. Ce n'est pas du rôle de l'État. Mais les banques restent toujours frileuses. L'État crée les conditions incitatives. L'État aide les entrepreneurs au besoin, si, et à leur demande, s'ils se manifestent. Nous avons des agences qui peuvent regarder leur activité, leur structuration, parce que, en fait, le vrai problème entre les banques, parce que vous serez surpris si je vous dis qu'au Bénin, les banques sont en surliquide. Il y a la ressource. Mais elles sont frileuses. Elles sont frileuses, pourquoi? Parce que les banques ne savent pas lire l'information financière, l'information comptable des petites et moyennes entreprises, qui parfois n'en ont même pas. Vous rentrez dans une entreprise, il gère, son affaire prospère, mais vous ne pouvez pas demander un registre de paye, vous ne pouvez pas demander une comptabilité, vous ne pouvez pas demander un bilan. Il estime qu'il n'en a pas besoin puisque son entreprise marche bien. Mais en conséquence, vous ne pouvez pas aller devant une banque le jour où vous avez besoin de plus de ressources pour investir ou bien pour investir afin d'accroître vos capacités. Et donc, il y a un travail qui se fait dans ce sens. Le banquier a besoin d'une lisibilité. Il a besoin de connaître votre historique. Oui. Les machines normalisées que les impôts viennent d'introduire, c'est les réformes pour permettre, quand vous avez même votre magasin, votre boutique, etc., voilà quelque chose qui peut vous dire, au bout de quelques temps, votre chiffre d'affaires, qu'il soit journalier, mensuel, hebdomadaire, avant... Les gens notent dans des cahiers, des choses, ils oublient. Même certains gérants peuvent ne pas être tout à fait fidèles avec le promoteur, le propriétaire. Exactement. Il peut vendre, dire qu'il n'a pas vendu, etc., etc. Alors, monsieur le ministre, maintenant, nous allons parler maintenant de l'emploi. Vous savez, c'est quand même un secteur clé de votre département ministériel. Absolument. Avant qu'on aille en profondeur du sujet, on ira à la régie, on va suivre cette action menée par l'ambassade de la Chine avec vous par rapport aux entreprises chinoises qui voulaient recruter des gens. Voici le reportage. À travers cette foire, 14 entreprises chinoises résidant au Bénin vont recruter 964 employés, dont 821 ouvriers et 143 agents d'encadrement et cadres de toutes catégories. C'est une première dans l'histoire de la coopération sino-béninoise. Environ 1000 demandeurs d'emploi formés au Bénin vont faire valoir leurs compétences au sein de 14 entreprises chinoises sur les 30 impliquées dans l'exécution des grands travaux du PAG. C'est à travers une foire de recrutement conjointement initiée par le gouvernement du Bénin à travers la NPE et l'ambassade de Chine près le Bénin. Nous avons essentiellement dans le domaine du BTP, du génie civil, mais également nous avons dans les télécoms. C'est des domaines variés. Nous avons la société Sucobé qui est en train de recruter et qui fabrique du sucre béninois. Et donc, c'est des secteurs variés avec une dominance pour les BTP. Ils sont plus de 7000 postulants venus des 12 départements du Bénin à candidater dans plusieurs secteurs. C'est un véritable challenge dont ils ambitionnent chacun relever le défi de l'emploi qui constitue pour le gouvernement et son chef une question majeure. La question de l'emploi nous préoccupe et nous maintient éveillés. C'est heureux de voir que la jeunesse s'est également mobilisée ce matin pour répondre présent à cet appel par rapport donc à cette foire de recrutement. Nous avons une main d'œuvre de qualité, des jeunes qui ne demandent qu'à travailler, des jeunes qui ne demandent qu'à s'investir, des jeunes qui ne demandent qu'à se révéler, se développer. Et donc, nous essayons, avec le ministre de la Promotion de l'Emploi et des PME, de faire en sorte que ces deux mondes se rencontrent. Le monde de l'entreprise qui a besoin de ressources humaines et le monde en fait de la jeunesse béninoise qui a besoin de travailler. Ce n'est pas un rêve, mais une réalité, martèle à haute et intelligible voix le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, qui rassure de la transparence qui entoure la procédure de recrutement de ces jeunes diplômés sans emploi. Nous ne sommes pas en train de rêver, c'est bien une réalité.
car les responsables et les recruteurs de ces entreprises chinoises installées dans les différents stands s'entretiendront avec les candidates et avec les candidats inscrits en vue de sélectionner les agents qualifiés recherchés. Il s'agit donc pas d'une sélection intéressée. Il ne s'agit non plus pas d'une sélection recommandée, encore moins d'une sélection politique, mais d'un choix basé sur les aptitudes et les compétences individuelles. Cette fois marque ainsi le début d'une série de recrutements de main-d'œuvre de qualité. Une démarche qui va certainement réduire substantiellement à la baisse le taux de chômage au Bénin. Alors, M. le ministre, vous avez vu le reportage où des entreprises chinoises cherchaient des agents pour les entreprises. Combien au total de personnes ont pu trouver ce boulot, ce job, j'allais dire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il est bon à faire savoir que sur cette activité conduite de main de maître par la direction générale de l'Agence nationale pour l'emploi, il s'agissait d'une vingtaine d'entreprises chinoises qui se sont manifestées auprès de cette agence gouvernementale afin d'aider à entrer en relation avec la main-d'œuvre qualifiée. Okay. Ces entreprises qui conduisent d'importants projets infrastructurels dans notre pays, comme vous le savez, avaient besoin quand même des ressources humaines pour le faire. Et la NPE a monté ce vaste salon d'entretien, entretien direct, embauche, sans aucune recommandation, sans aucun parrainage quelconque. Les entreprises sont venues, elles ont installé leur stand et les jeunes qui avaient candidaté sur les plateformes de la NPE sont venus et ont été chacun reçus en entretien sur la base de leurs pièces, de leurs diplômes qu'elles ont pu amener. Mais et c'est là aussi une grande leçon de cette activité, mais leçon qui par ailleurs a été déjà prise en charge par le chef de l'État depuis plusieurs mois. Quelle est cette leçon? Mais c'est que nous n'avons pas pu offrir à cette vingtaine d'entreprises chinoises tous les compétences requises parce qu'elles avaient besoin de 134 postes, si ma mémoire ne me fait pas défaut, 134 postes de cadres et 820 et quelques postes de manœuvres qualifiées. Quand on cherche des tractoristes, des boulistes, des gens qui savent conduire des engins, certains engins spécifiques, nous n'avons pas. Nous avions plus de 8000 jeunes qui se sont présentés, mais nous n'avons pas pu recruter les 1000. Parce que les profils venus n'étaient pas en conformité avec les profils recherché. D'où je disais que c'est un constat qui était déjà pris en charge par le gouvernement sur l'orientation du chef de l'État, mais c'est d'inverser le modèle de formation dans notre pays. Vous avez vu récemment, le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous avons beaucoup de diplômés de l'enseignement général, des filières classiques. Je ne le dis pas par mépris ou par dédain, mais ce n'est pas ce que le secteur privé a besoin. Nous sommes donc dans une dichotomie entre l'offre et la demande. Donc, il est du rôle de l'État, des pouvoirs publics, d'inverser rapidement la tendance pour que nous puissions former désormais ce que la main-d'œuvre compétente, la main-d'œuvre qualifiée, que les entreprises, les recruteurs, ceux qui offrent le travail ont besoin. Ceux qui offrent le travail, voilà ce dont ils ont besoin. Ceux qui offrent les compétences, voilà les compétences qu'ils ont. Si l'offre de compétences et l'offre de travail ne se rencontrent pas, ça va être difficile. Mais je peux vous assurer que c'est des sujets qui sont déjà pris en charge par ailleurs par les autres départements ministériels, l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire, technique, la formation professionnelle, l'ensemble du gouvernement, parce que la question de l'emploi reste et demeure une question fondamentale. Le gouvernement de la rupture a fait l'option de la traiter de manière holistique à travers toutes les interventions que tous les départements ministériels conduisent. Il faut savoir qu'elles n'ont qu'une seule finalité, c'est offrir de l'emploi décent aux jeunes. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, le gouvernement vient d'adopter en Conseil des ministres la nouvelle politique nationale de l'emploi qui rappelle
tous les fondamentaux dont je viens de vous parler tantôt, pour dire que l'emploi n'est plus traité comme une donnée ex nihilo, mais l'emploi est traité comme une résultante de l'ensemble des mesures pertinentes qui sont prises sur le marché du travail, dans le monde des affaires, pour que le travail, l'emploi soit disponible pour les jeunes et pour que d'ici 2025, comme la nouvelle politique nationale de l'emploi le postule que d'ici 2025, la majorité des jeunes en quête de travail puissent trouver un emploi qui leur procure du revenu et un bien-être, un emploi décent. Monsieur le ministre, vous avez aussi développé un nouveau programme de volontariat. En quoi cela consiste concrètement? Ça consiste toujours à offrir plus de chances aux jeunes parce que le nouveau programme de volontariat que nous avons développé, c'est un programme qui va donner, qui va accroître l'employabilité des jeunes. Okay. Vous savez, en attendant, quand un jeune finit, un jeune scolarisé, diplômé, non scolarisé, quand il finit, peut-être en attendant d'avoir un emploi récent, nous lui offrons l'Office béninois des services de volontariat des jeunes, lui offre à travers des programmes spécifiques l'opportunité d'avoir une immersion en milieu professionnel, de travailler. Et parfois, certains jeunes sont envoyés comme des volontaires, que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans les sociétés privées, etc., les administrations décentralisées, etc. Parfois, ayant fait preuve de leur compétence, de leur dévouement, parfois certains se voient retenus, proposés et des contrats. Mais même quand ce n'est pas le cas, au moins à la fin, le jeune ayant eu l'opportunité d'être dans le milieu professionnel a un gain d'aptitude, de confiance, il sait mieux se vendre. Ce nouveau programme de volontariat va beaucoup plus accroître, nous permettre d'accroître l'employabilité des jeunes. Ça, c'est sans compter avec le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Ça, c'est une initiative présidentielle très importante. C'est le président de la République lui-même qui, lors de son adresse à la nation, à la veille de la célébration du 59e anniversaire, le 31 juillet 2019, l'a annoncé que l'État, chaque année, va recruter 2000 jeunes à sa charge, qui va mettre essentiellement dans le secteur privé, productif, où l'État va prendre en charge leur rémunération et tous les accessoires qui vont avec. Parce que nous avons fait le constat que certaines sociétés, parfois, ont des besoins de renforcement de leur capacité, équipe, mais sont un peu frileuses, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens qu'il faut. Les moyens qu'il faut, etc. Le gouvernement veut donner un coup de pouce. Je vous dis, c'est une initiative présidentielle voulue par le chef de l'État lui-même et qui va démarrer, qui est placé toujours sous le leadership de l'ANPE qui va exécuter ce programme-là. C'est 2000 jeunes. Mais là encore, il faudra que nous puissions trouver les compétences recherchées par les entreprises parce que ce n'est pas à nous, gouvernement, État ou à l'ANPE, de dire, bon, toi, tel jeune, va là. Non, c'est l'entreprise, le chef d'entreprise. Et les critères sont bien définis. Qui va dire, moi, je veux peut-être vous à l'ORTB. Ici, la direction générale pourra dire, nous voulons un machiniste, un preneur de son, un réalisateur. C'est des métiers. Ce n'est pas des diplômes. Oui, des métiers. On ne dit pas qu'on veut un maîtrisard ou un licencié. Ouais. Non, on veut un cadreur. On veut un infographe. On veut ci, on veut ça. Des métiers spécifiques. Nous faisons la différence entre un métier, un professionnel d'un métier et un diplômé. On va vite aborder le dernier point de votre département, c'est l'artisanat. Qu'est-ce qui est fait concrètement à ce niveau? Qu'est-ce qu'on peut retenir? La clarification aussi. Et vous savez, le président de la République dans le PAG a dit que le secteur de l'artisanat est un secteur important. Et c'est vrai. C'est le deuxième corps social pourvoyeur d'emploi après le secteur agricole dans un pays comme le nôtre. Ah ben, il a abandonné. Pardon? Il a abandonné l'artisanat. Pas du tout. Une réforme profonde est en cours au niveau du secteur de l'artisanat. Je vous demanderai de faire un micro-totois et d'interroger les artisans eux-mêmes et ils vous diront, puisque c'est une réforme qui est conduite avec eux et pour eux. Est-ce que tous les artisans sont concernés? Ils sont informés de la plupart parce que le secteur de l'artisanat est un des secteurs les mieux structurés dans notre pays. Ils ont deux fêtières, la Confédération nationale des artisans du Bénin, qui a une fêtière de droit privé,
et l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin, qui est l'institution publique du secteur de l'artisanat. Tous les artisans sont concernés. Si je prends l'important programme H, le volet assurance maladie, dont la phase pilote a démarré dans plus d'une dizaine de communes de notre pays, vous savez, c'est la plupart des artisans qui sont concernés, parce que l'artisanat, il y a trois types d'artisans. Il y a l'artisanat de survie, oui. Il y a l'artisan émergent et il y a l'artisan structuré. H formation aussi va commencer bientôt pour permettre à nos artisans d'avoir une montée en compétences et de faire des produits de meilleure qualité qui peuvent mieux être vendus, que ce soit au plan national, au plan sous-régional et au plan international. Et pour finir cette importante réforme, c'est que bientôt une loi va être prise pour que nous ayons une vraie institution consulaire du secteur de l'artisanat, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Un peu comme ce que la CCIB est pour le secteur commerce et industrie, on aura la CMA Bénin, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, qui sera dotée de moyens conséquents et de ressources humaines de qualité pour que le secteur de l'artisanat ait une meilleure représentativité pour défendre ses intérêts devant les pouvoirs publics. J'ai envie de dire que les artisans sont le chouchou du gouvernement de la rupture et vous-même. Alors, monsieur le ministre, est-ce que le recensement qui a lieu pour connaître le nombre d'artisans entre dans la dynamique d'aider ces hommes? C'est le point de départ et c'est la clé de voûte de toute la stratégie de réforme importante qui est menée pour le secteur de l'artisanat. Il faut que nous puissions dénombrer de manière précise, en tout cas, la cible que veut adresser cette réforme. Je profite au passage pour saluer tous les artisans béninois dont nous venons de fêter la journée internationale il y a quelques jours et pour leur contribution à la réussite de ce recensement. Il leur dit de rester mobilisés pour la suite de la réforme qui doit prendre fin avec l'élection et l'installation des nouveaux élus de la Chambre des métiers du secteur de l'artisanat qui auront à prendre le relais et à conduire tout le reste du processus pour le bien du secteur de l'artisanat. L'artisanat contribue à plus de 13% à la formation du produit intérieur brut. Le souhait du gouvernement est de doubler d'ici quelques années cette contribution. Donc vous voyez que pour ce faire, il faut accompagner, il faut mieux organiser le secteur, les accompagner et les doter d'équipements, d'appui, de formation comme il faut. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Et donc une grande vision de réorganisation de ce secteur de l'artisanat qui est en vue d'ici... En lien avec les artisans eux-mêmes. Eux-mêmes. Voilà. Ils se sentiront concernés. Oui. Est-ce qu'ils sont informés? Est-ce qu'ils sont véritablement informés? Ils sont parfaitement informés. C'est pour ça que je disais tantôt que la réforme est conduite pour eux, avec eux et par eux. Très bien. Alors, M. le ministre, on est déjà à la fin de cet entretien. Vous avez certainement des mots de fin à livrer non seulement aux acteurs du PME, aux promoteurs d'emploi et aussi aux artisans, ce pan important de votre département ministériel. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer. Je voudrais profiter de cette tribune que vous m'offrez pour dire à tous les jeunes béninois que désormais, ils peuvent savoir que le secteur privé est un secteur créateur de richesses et d'emplois. Le gouvernement y déploie un certain nombre de mesures de réforme pour faciliter l'installation, la création et faire en sorte que les entrepreneurs puissent prospérer dans le pays. Notre option de libéralisme économique, faite depuis 1990, fait que l'ère de l'État-providence est terminée. Aujourd'hui, il s'agit de la prise d'initiative, de l'audace, de l'envie d'être utile à sa communauté, à soi-même et à d'autres jeunes. Et pour tout cela, le gouvernement de la rupture joue sa partition en créant un cadre incitatif. Toutes les réformes, tous les investissements qui sont faits dans le numérique, dans les infrastructures, dans l'eau, dans l'énergie, toutes ces réformes n'ont qu'une finalité, aux côtés des emplois que l'État va créer pour le bien du fonctionnement de ses services régaliens, que l'initiative privée puisse éclore dans notre pays, que notre pays
accroisse son attractivité pour que les entrepreneurs nationaux puissent s'y épanouir, que les investisseurs étrangers puissent venir s'établir en trouvant des ressources humaines de qualité, bien formées et motivées. C'est comme ça et ce n'est que comme ça que nous pouvons vaincre la question du chômage et du sous-emploi des jeunes. Je voudrais appeler tous les jeunes à plus de détermination, à plus d'envie et être en vigilance sur l'environnement et pouvoir saisir les opportunités qui se présenteront. Il y aura davantage d'opportunités de semaine en semaine, de mois en mois. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la rupture. C'est la rupture avec toutes les pratiques qui n'étaient pas forcément recommandables. Merci, monsieur le ministre. C'était donc le temps de Masson, 4 ans après de profondes réformes enregistrées avec le ministre Modeste Tounté-Kérékou en charge des petites et moyennes entreprises de la promotion de l'emploi. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.